Allez, donc voilà, j'ai fait mon teint toujours avec mon fond de teint hein, du moment que j'ai envie de finir le Dream Satin. Franchement, à force de l'utiliser, alors déjà que je l'aime bien, mais à force de l'utiliser, je trouve que ça vient vraiment bien se fondre dans ma peau. Ça fait vraiment un teint, enfin pour ma part, assez couvert. Et ça fait naturel, quoi. On ne voit pas l'effet plâtre du fond de teint. Voilà. Donc, j'ai posé mon fond de teint. Je vais venir poudrer avec ma petite Berry Sweet. Hein. La petite poudre qu'on retrouve chez Action. Hein. Vous l'avez en plusieurs, pour celles qui ont eu la chance de les trouver en plusieurs centres. Allez, je viens fixer un peu mon teint. Hop, légèrement, vous avez vu l'habitude, j'ai l'habitude de poudrer en même temps mes paupières et là, bah, y en a une, elle en a pris un petit coup au passage. Oui, à savoir que depuis un petit moment, 2-3 jours il me semble, je mets un peu de correcteur pour faire tenir mes fards et pour les faire popper puisque j'utilise une palette qui est très très on va dire légère je trouve en pigmentation donc j'aide un peu mes fards à popper. Tenir non, tenir ça tient bien, c'est surtout les faire vraiment les faire devenir plus peps quoi. Voilà. Donc, je vais venir prendre ma petite, enfin mon gros Sunsink Ked, oh là, Sun Kissed Glow de chez Max & More. Et je vais venir, réchauffer un petit peu mon teint. Je vous fais bouger. Vous allez avoir le mal de mer dès le matin. Voilà, qu'on retrouve aussi chez Action. Il est vraiment très très bien, hein. Enfin, moi, il est bien adapté à ma teinte de peau, ma carnation. Il est léger en, pour ma part, hein, ça vient bien se fondre à ma peau. Et j'ai un petit peu réchauffé mon teint comme ça. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour mon dernier make-up. Hop. Donc, on est vendredi. Hein. Mon petit Mesoda. Vous savez que je veux finir. Hein. J'en suis quand même bien... Je l'aurais bien eu quand même. Hein. Encore quelques utilisations et je pourrais le compter comme terminé. Donc là, je pose mes poudres, c'est-à-dire tout ce qui est fard à joues, un petit peu de bronzer. Voilà, je viens réchauffer un peu mon teint. Tout de suite, ça donne un côté bonne mine. Hein. Allez, j'estompe tout ça. Voilà, oui, donc, dernier make-up aujourd'hui. Je prends mon Perfect Coverage de chez Flormar. J'ai du mal à causer ce matin. Qui est de la teinte Ivory. On a un numéro, normalement, c'est le numéro 2. Et je viens le mettre sur ma paupière. Ce qui va me permettre de faire popper mes fards. Toujours avec ma petite éponge, je viens tapoter. Je tapote pour éviter d'étirer la matière.
Donc oui, j'ai vraiment remarqué une différence. Ça fait vraiment popper les phares. Bon, je vous ai pas dit, hein, j'ai mis ma crème de jour Cutis. J'ai mis mon sérum contour des yeux Imim. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait en soin, puisque le matin, c'est vraiment du minimalisme, hein, puisque moi, j'ai pas le temps de m'amuser entre chaque couche à venir à attendre. Donc, je me réserve plutôt pour le week-end. Je ne sais pas si c'est bien, mais bon. Allez, vous avez pris l'habitude. Enfin, non, vous n'avez pas pris l'habitude. Vous avez aimé ça. Donc, je continue dans ma lancée. Ah oui, c'est une petite. Comment dire, petite collection que j'ai achetée sur Chine. Et on a toutes les couleurs. Comme quoi, vous voyez, suivant mon make-up, j'ai la couleur qu'il faut. Et comme je le dis, bah oui, ça habille la bête. Hein. Et il fut un temps où je ne sortais pas sans boucle d'oreille. Et puis après, j'ai envie de vous dire, la fatigue m'a gagnée. Donc même là, cette semaine, je me suis vraiment. Mis des coups de pompe aux fesses pour vous faire toutes ces vidéos, puisque, comment dire, j'étais toute seule, mon mari était au boulot déjà, donc il fallait vraiment que je compte que sur moi pour me réveiller. Et comme il faut que je prépare, je réveille mon garçon qui, Justin, a énormément de mal à se réveiller, bah, j'étais obligée de me lever à 5h30, donc j'étais largement prête avant l'heure. Donc ça m'a permis de vous faire un make-up bah, tous les jours. Pour vous faire découvrir la petite palette Maille Atlantis de chez W7. Aujourd'hui, vendredi, dernier make-up avec voilà, avec cette petite palette qui est une palette très bien pour des make-up très légers. Si vous n'avez pas envie d'une grosse pigmentation, si vous avez envie de quelque chose de doux, de comment dire. De nude, elle a quand même de très jolis marronnés, de très jolis rosés. Voilà, donc ça reste une palette assez douce à utiliser. Allez, j'écoute une de mes abonnées parce que c'est vrai que je pense pas le faire. Hein, de brosser mes sourcils. Eh bien, oui, c'est vrai qu'on apprend de tout le monde, et puis voilà, c'est des choses que. Je pense pas systématiquement à faire. Allez, je vais venir mettre mon crayon de chez Flormar. Donc, merci à toi. Hein. Je ne sais plus si on se dit toi ou, tout, ou tu ou vous. Oh, toi, tu, vous, mou. mou. Oui, je suis molle ce matin. Très molle. Allez. Mon petit crayon de chez Lovren. Bah non, je ne vais pas vous enlever les bêtises que je dis. Hein. Ça vous fera passer un meilleur moment encore. Allez. Donc, mon petit crayon de chez Lovren. Donc je grossis un petit peu volontairement mes sourcils. Je les fais un peu carrés en tête, comme ceci. Et je vais venir, excusez-moi, avec le côté goupillon, juste brosser un tout petit peu. Pour que ça fasse un peu plus naturel. Je compte bien le racheter ce crayon-là. Parce que bah, je le trouve hyper bien. Voilà. Allez, donc on va continuer avec mon make-up. Je n'ai pas repoudré mes paupières. Puisque vous savez, je trouve que c'est plus vif quand on laisse ses paupières comme ça. Et puis voilà, c'est un petit conseil que je prends depuis peu. Mais c'est vrai que ça fonctionne.
Mes cheveux sont à relaver. Donc, vous voyez, tous les 2 jours maintenant. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont. Tous les 2 jours, je suis obligée de les laver. Ils sont très gras en racine. Alors, vous avez vu, ma racine, elle est très foncée puisque c'est ma couleur de base. Donc, c'est encore plus, ça flash encore plus. Mais voilà, je me dis, je vais les laver que demain. Parce que sinon, ça va être tous les 2 jours. En sachant que là, cette semaine, je vais arriver à la troisième fois. Hein. Donc, voilà. Donc, troisième fois, ça va me permettre de tester le produit shampoing Luxéol 3 fois, en fait. Puisqu'il vous conseille 3 fois dans la semaine, eh ben, j'ai envie de vous dire que là, les 3 fois vont être atteintes. Je sais pas, il faudra que j'aille me renseigner. Je ne comprends pas pourquoi mes cheveux graissent aussi vite. Alors, avant, quand je faisais mes teintures, j'avais pas cette sensation-là. Je faisais mon brun, peut-être que la teinture venait assécher mon cuir chevelu. Mais là, j'ai envie de vous dire, bah, c'est de pire en pire. Si je veux une bonne chevelure, et pourtant j'utilise des têtes d'oreiller en soie, je sais pas. Je sais pas, franchement. Si vous avez un petit conseil à me donner, dites-moi parce que là, je ne sais plus quoi faire. Bon, allez. Aujourd'hui, dernier make-up. Je vais prendre une couleur très claire pour mettre en début de paupière, hein, sur toute ma paupière. Donc, je viens prendre mon côté fluffy et je viens prendre la teinte Empire. Ouais, je ne sais pas si c'est hormonal, si... Puis je me dis, je vais aller en pharmacie chercher des choses qui vous coûtent un bras si ça fonctionne pas. Dernièrement, j'avais acheté un shampoing de chez Clorane, il me semble, pour cuir chevelu pour l'assainir. J'en ai pas vu les effets vraiment. Bah oui, je préfère être cash avec vous et vous dire quand ça fonctionne ou quand ça fonctionne pas. Hein. Ça sert à rien de faire du. Voilà. Donc, ouais, ce shampoing-là, je n'avais pas trouvé miraculeux. Shampoing du commerce, bah, de toute façon, si je lave pas mes cheveux, il n'y a pas de mystère. Hein. Ils redeviennent gras. Donc, allez. Donc, je remonte bien ce petit beige rosé. Jusqu'en haut de mon sourcil. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire sur mes cheveux pour assainir mon cuir chevelu. Hein. Parce que là, franchement, je sais plus. Je sais plus quoi faire. Alors bon, on dit qu'il faut pas se laver les cheveux trop souvent, mais bah moi, si je les lave pas. Vous voyez, là aujourd'hui, c'est encore limite aujourd'hui. Bon, là, ils sont un peu mouillés parce que je les ai un peu humidifiés. Mais vous voyez la différence de couleur. On voit bien, déjà, ma différence de couleur. Hein, on voit bien hein, quand même que j'ai arrêté mes colorations il y a de ça un moment. Mais voilà, ça reste très gras. Je pense mettre un petit coup de shampoing sec avant de partir au niveau surtout du derrière. Parce que c'est surtout sur la racine derrière, le crâne, que c'est plutôt sec. Donc je vais me mettre un petit coup de shampoing Baptiste pour la journée. Et puis bah, demain, on les relavera. Allez. On me dit, il ne faut pas trop trifouiller ses cheveux. Mais bon, voilà, j'ai un tic. Je ne le fais pas systématiquement non plus. Là, je le fais parce que j'y pense. Mais sinon, je ne le fais pas systématiquement. Allez, donc aujourd'hui, dernier petit make-up. Je vais utiliser ce petit marron ici. Je vais déjà y aller doucement avec le océan. Et je vais faire un petit trait de liner avec de la poudre. Hein. C'est un thème qui m'a été demandé par Ophélie, il me semble. Donc, coucou à toi. Aujourd'hui, c'est le petit trait de liner avec, comment dire,
la poudre. Avant cela, je vais venir mettre une couleur sur toute ma paupière. Je vais venir mettre de l'irisé. Donc, comme je vais partir sur des teintes marronnées, je vais venir prendre celui-ci, le City. Voilà. Il est comme ça. Je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Je viens mettre au doigt. Alors, il a des teintes un peu... il est marbré. Il est un peu... on va dire un peu cuivré. Ça a du mal. Je sais pas, mais... ils ont vraiment du mal à marquer les... Je vais essayer d'en remettre un peu... avec mon pinceau. Ouais, je sais pas, c'est... de très jolies teintes, mais voilà quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Je viens mettre une autre teinte plus claire. C'est la teinte. Alors, blanc sur du doré, c'est pas évident. Paradise. Je vais vous faire les swatchs après. Un petit peu de Paradise pour avoir le côté, comment dire, lumineux sur le milieu. Sur le bombé de mon œil. Comme ceci. Je sais pas ce que vous voyez en pigmentation vous à la caméra. Je vais venir au doigt parce que franchement donc là, je vais reprendre un autre petit fard. Parce que oui, je suis quand même hyper déçue par les lumineux. C'est vrai que, personnellement, c'est une palette que j'avais achetée pour les lumineux. Et ouais, je suis quand même déçue. Là, je suis venue mettre un petit fard qui est plutôt, comment dire... ça manque d'intensité. Je ne sais pas comment vous dire. Même en mouillant mes fards, ça manque de pigmentation. Je continue à dire que c'est une palette pour des make-up nude. Alors, hop. J'en rajoute un petit peu. Allez. Hop, je vous fais les swatchs avant d'oublier. Vous allez voir que pour le côté irisé, j'ai mis trois teintes. Hop. Voilà. Allez, donc comme je vous disais, on va faire un petit semblant de liner, mais au pinceau. Alors, je ne suis pas très à l'aise. Donc, avec la poudre, vous avez vu, j'ai déjà fait la petite queue, la petite virgule. Donc, je m'aide avec un petit blister comme ceci. Il va falloir que je teste hein, d'ailleurs avec vous. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre forcément le scotch. J'aurais peut-être dû le mettre comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch, hein. Vous prenez une petite carte et ça fera l'affaire. Ce côté-ci est plus bas.
Donc je vais effacer, je vais recommencer. C'est ça qui est bien avec le fard, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous effacez et vous recommencez. Alors je vais le mettre peut-être comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir remonter un peu mon fard. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir refermer mon œil. Je viens m'arrêter au milieu. Vous voyez, comme ceci. Alors vous pouvez intensifier votre, comment dire, votre trait en mouillant votre pinceau. Ça va vous faire... comme un petit gel. Et là, moi, j'ai envie de vous le faire qu'avec le fard. Ce côté-là est plus joli, je trouve. Oh, il y a toujours un côté, hein. Il y a toujours un côté où on arrive mieux, hein. Dites-moi, mais je pense que vous, c'est pareil. Alors, on dit que quand on fait son trait d'eyeliner, il faut pas fermer son œil. Mais moi, je suis obligée. Voilà. Alors vous pouvez vous aider hein, en faisant avec votre doigt comme ça. Voyez? Voilà. C'est un peu plus joli, je trouve. Allez, je viens intensifier un tout petit peu ici à la racine de mes cils. Comme ceci. Voilà, j'en ai fini. Je vous fais le swatch. Du marron que j'ai utilisé pour mettre en liner. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. J'ai du mal ce matin. Allez, je vais venir mettre une petite touche de fantaisie dans le coin de mon œil pour apporter un petit peu de lumière. Et je vais venir mettre la couleur. Je sais pas ce que ça va donner ça. De paillettes dans le coin, celui-ci, hop, qui est un peu violet, c'est la couleur. Alors, franchement, blanc, alors Utopia, blanc sur du comme ça, un peu doré, c'est franchement pas évident. Voilà. Ouais, une petite pointe de fantaisie, hein, avec ce petit fard. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Je vais venir mettre un peu de crayon marron en muqueuse. Donc pour le marron, je vais venir prendre mon crayon marron de chez Max & More. C'est la teinte 09 Hazel Ace. Et je vais venir le mettre en muqueuse comme ceci.
J'aurais pu mettre du noir, mais je préfère mettre du marron, c'est plus doux. Et oui, il faut le temps que ça marque sur la peau, sur la muqueuse. Donc, il faut que je fasse des gestes de va-et-vient comme ça. Voilà, je trouve que c'est plus doux, hein. C'est, je vais venir un tout petit peu estomper le dessous pour fumer un peu le crayon comme ceci. Comme ça, si ça débordait un peu en dessous de ma muqueuse, ça fera un effet beaucoup plus fumé. Voilà. Allez, le mascara. Donc le mascara, toujours le même, hein, le Fiber XXL. Alors, à la caméra, c'est quand même marrant parce qu'à la caméra, moi, je vois pas trop. Les paillettes, par contre, vous voyez, là, je me regarde dans ma petite glace, on les voit bien. On voit bien les petites paillettes, hein. On voit bien les fards irisés. Alors, je ne sais pas comment vous les voyez, mais on les voit bien. Je vous passe l'étape du deuxième œil. Donc voilà, j'ai posé ma deuxième application de mascara. Ma deuxième application, mon deuxième œil hors caméra. Et là, je vais venir mettre une deuxième petite couche, mais vraiment sur le coin externe des cils pour venir faire un effet œil de chat et qu'il soit plus étiré sur l'extérieur. Vous voyez, que sur l'extérieur là. Vous avez vu ce que ça donne? Alors, je sens que je vais me faire la boule à zéro. Non, je rigole. Non, non. Allez, j'étire bien mon mascara sur l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Punaise. Allez. Ouais, c'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Voilà, c'est très joli. Ensuite. J'ai pensé à prendre un petit peu mon crayon marron. Et là, j'avais envie de venir faire ma petite pointe ici. Comme ceci. Voilà, je trouve que ça vient un peu plus définir mon coin d'œil. Bon, je ne ferai pas le effet, je ne sais plus comment on dit, sirène, il me semble. Non, je ne vais pas trop partir parce que je trouve que ça ne me va pas. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Alors, vous voyez, les lumineux sont très jolis comme ça. Mais bah, sur les paupières. À la caméra, ça ne se voit pas si bien que ça sur les paupières. J'essaierai de vous reprendre en lumière du jour pour vous faire voir. Je vais finir avec un petit rouge à lèvres dans la gamme des nudes de chez Action.
Les Max & More, hein, c'est les lipsticks collection, comme ceci. C'est toute une gamme de nude. Merci Laurence. Oui, je vous fais des clins d'œil, hein, parce que c'est grâce à Laurence si je les ai achetés et trouvés. Je les ai très longtemps vus, mais je n'étais pas persuadée. Alors, je vais venir prendre le plus foncé à mon goût. Ça va être lequel? Peut-être celui-ci. Alors, c'est la teinte Never Nude, comme ceci. Voilà comment il est. Alors, j'ai une petite idée, comme je viens de voir mon trait de marron. Les crayons de chez Max & More vont aussi bien sur les lèvres que sur les yeux, du moins sur moi. Allez. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi j'aime bien. Et je viens mettre mon petit rouge à lèvres par-dessus. Bah, déjà, et d'une, ça évite à ce que mon rouge à lèvres parte dans mes petits plis de déshydratation des lèvres, dans mes ridules, dans mes rides. Et voilà, je trouve que c'est plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben voilà, je vais rien rajouter d'autre. J'en ai fini avec ce petit make-up, avec un petit trait d'eyeliner à la poudre. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Plaira à Ophélie, hein, bien sûr. Alors, je vais faire au fur et à mesure vos, comment dire, vos make-up, hein. J'ai déjà plein de make-up. J'attends de recevoir ma commande Chine pour vous faire certains make-up que vous m'avez demandé, hein. J'ai commandé exprès pour avoir certains articles. Mais voilà, quand je peux vous faire la vidéo, j'essaye de vous la faire d'emblée. Comme ça, je n'oublie pas vos petites idées. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu, hein, pour ce vendredi. Dernier jour avec la palette Atlantis, hein. J'ai quand même fait 5 make-up avec et ça a été compliqué quand même parce que il faut quand même se creuser les ménages. Bon, ça va que j'ai des abonnés qui m'ont donné quelques petites idées à suivre. Donc, ça m'a un peu aidée. Mais voilà, j'espère que ce petit look vous plaira. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et un très très bon week-end en attendant. Je vous fais des bisous.